Nous quittons maintenant la partie ouverte au public afin de pénétrer dans le joyau du gouffre d'Esparos, la galerie des Aragonites. Pour ne pas compromettre la préservation de ces merveilles et pouvoir les conserver intactes pour les générations futures, cette partie du gouffre n'est pas ouverte à la visite. Il existe un type minéralogique de concrétion remarquable dans le gouffre d'Esparos. C'est la présence en très grande quantité d'aragonite. Il s'agit là de l'un des plus importants sites français et même européens. La galerie des Aragonites est décorée d'une multitude de formes de concrétions, avec tout d'abord les concrétions classiques en calcite, disques, colonnes recouvertes de petits choux-fleurs, excentriques, mais surtout d'innombrables aiguilles d'aragonite formant des fleurs de pierre, des coussins qui recouvrent des dizaines de mètres carrés de parois.